entre 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Communication du président de la République, chef de l'État. Par un taux de mortalité avoisinant 50% des décès des cas rapportés. En raison de la gravité de la situation, le président de la République a instruit le ministre de la Santé publique à prendre toutes les dispositions pour contenir cette épidémie de méningite, interrompre sa chaîne de transmission dans la province de la Tchopo et ainsi éviter qu'elle se propage dans les autres provinces et pays limitrophes. Le président de la République a invité le Premier ministre à mettre en place une cellule de crise en vue de suivre les activités de la riposte au quotidien et de s'assurer de l'implication effective de tous les ministres sectoriels et services dont le concours sera jugé utile pour l'efficacité de la riposte. Le deuxième point de la communication du Premier ministre a porté sur la mise en place du mécanisme de suivi et de l'évaluation de l'action gouvernementale. Le président de la République a réitéré sa volonté manifeste d'effectuer un suivi et une évaluation régulière de l'action gouvernementale en vue de garantir l'exécution optimale des objectifs contenus dans le programme du gouvernement. La poursuite de l'instauration du mécanisme de suivi et de l'évaluation du gouvernement est un impératif. Sortir de troisième point de la communication du président de la République a porté sur quelques questions économiques. 1. Évaluation du contrat sino-congolais. La République démocratique du Congo accuse un important déficit en termes d'infrastructures. Cette réalité constitue une entrave à son développement. Le président de la ressource pour les transactions de toutes les sources disponibles d'infrastructures. La République démocratique du Congo avait signé les contrats sino-congolais et groupement d'entreprises chinoises, contrat qui a été renégocié en 2009. Le président au ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et sa collègue de mine de présenter lors de la prochaine réunion du Conseil de ministres l'état des lieux de l'exécution technique et financière de projets inscrits dans les 10 contrats dans leurs secteurs respectifs. Ceci dans le but de relancer les nombreux projets d'infrastructures interrompus faute de moyens techniques adéquats. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la mise en œuvre du plan de développement de nos 145 territoires. Le président de la République a constaté avec satisfaction un accroissement significatif de ressources publiques grâce à une meilleure mobilisation des recettes publiques. Ces efforts contribueront au développement économique et social de la base au sommet tel que le veut le plan de développement de 145 territoires. Ces plans constituent un défi logistique et infrastructurel important qui aboutira à une plus grande interconnexion des villes et villages. Il vise un développement inclusif qui profitera à toutes les couches de la population. Le président de la République a exhorté le premier ministre chef du gouvernement à accélérer les préparatifs liés à la concrétisation de ces plans. Chapitre 2 du Conseil de ministres de ce jour. Point d'information. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, a brossé l'état du territoire national qui est relativement calme. Dans les grandes agglomérations,
La police nationale poursuit les opérations de lutte contre toute forme de criminalité. Il a également fait part de la situation générale des provinces. Abordant la question sur la province du Lualaba, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est revenu sur le pont sur le Lualaba, qui connaît une fissure et qui fait l'objet des SOS lancés à l'endroit des autorités par les usagers de la route nationale 39, axe routier Kassaji-Dilolo, en vue d'alerter sur la menace d'effondrement du pont Lukoji à 30 km de Kassaji. Ces ponts de 30 tonnes est malheureusement traversé par des gros véhicules en provenance de l'Angola avec des tonnages excédentaires de marchandises. La situation de cette route de grande importance socio-économique pour cette partie du pays mérite toute l'attention du gouvernement central. Prenant la parole à son tour, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté au Conseil des ministres la situation sécuritaire dans les trois zones de défense. Concernant la situation de province sous état de siège, il a fait les bilans des affrontements qui ont eu lieu il y a quelques jours à Kobo en Ituri entre les miliciens Codeco et nos forces armées. Affrontement qui a débouché à des morts de tous les côtés. De nombreux miliciens ont été à l'occasion neutralisés et des munitions saisies. Un renfort militaire a été dépêché sur les lieux et les opérations de ratissage sont en cours. En province du Nord Kivu, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait les points sur les récentes attaques des ADF dans quelques localités à Beni. Il a également fait part au Conseil des nouvelles redditions de combattants de groupes armés NDC-R et MAC dans le territoire de Walikale, dans la province du Nord Kivu. Il a par ailleurs informé le Conseil de la tenue à la demande du président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, d'une réunion des sécurités autour du premier ministre chef du gouvernement, réunissant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre de la Défense nationale, le ministre des Finances, le ministre de la Communication, le vice-ministre de la Justice, le vice-ministre de Mines, ainsi que le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, les commissaires généraux de la police nationale, accompagnés de deux gouverneurs qui dirigent le province sous état de siège. L'objectif de cette réunion était de faire le point de l'évolution de la situation sur terrain en vue de la réorganisation logistique et opérationnelle de l'état de siège au regard des nouvelles donnes en présence, dans l'objectif ultime de garantir le succès de nos forces armées et de ramener la paix dans cette partie du territoire national. Toujours sur ces chapitres de points d'information au sujet de l'évolution de la pandémie à COVID-19, la vice-ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a noté que le gouvernement poursuit ses opérations en équipement pour le province dans le cadre de la riposte contre la pandémie à COVID-19. Elle a annoncé l'arrivée d'un don du gouvernement américain de près de 250 320 doses du vaccin Moderna dans le cadre de l'initiative COVAX en vue de poursuivre la vaccination, pilier stratégique de notre stratégie de riposte. Dans les prochains jours, d'autres vaccins sont annoncés, notamment l'américain Pfizer. Elle a rappelé la nécessité pour tous de continuer l'observance stricte des gestes barrières. S'agissant de l'épidémie des méningites qui règne à Banalia dans la province de la Tchopo, en plus des analyses des laboratoires effectuées par l'Institut Pasteur qui ont révélé l'identité de l'agent causal, une équipe du ministère de la Santé a été dépêchée sur place pour apporter un appui aux autorités locales. Un plan de riposte de 2 mois a été élaboré et les kits de prise en charge médicale ont été envoyés sur place. Des discussions sont en cours avec l'Organisation mondiale de la santé pour l'obtention des vaccins. Chapitre 3 du Conseil des ministres. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de sa 18e réunion tenue le 3 septembre 2021.
Chapitre 4 du Conseil des ministres. Examen et adoption de dossiers. Trois dossiers. 1. Cadre budgétaire à moyen terme 2022-2024. Le ministre d'État, ministre du Budget, a soumis au Conseil le cadre budgétaire à moyen terme CBMT 2022-2024. Ces documents présentent la stratégie budgétaire du gouvernement, telle que définie dans son programme. Ces programmes d'action sont mis en œuvre par le pouvoir central, la province et l'entité territoriale décentralisée. Ainsi, le cadre budgétaire à moyen terme couvre l'ensemble des opérations budgétaires de l'État, au sens de l'article 175 de la Constitution, dans une approche pluriannuelle. Il définit dans un horizon de temps de 3 ans la trajectoire de recettes, des dépenses et des soldes qui en découlent. Les CBMT 2022-2024 prend en compte les priorités du programme du gouvernement, notamment les financements des dépenses sécuritaires, des dépenses sociales et des investissements dans les secteurs porteurs de croissance. L'adoption par le Conseil des ministres du CBMT 2022-2024 marque une avancée significative dans la gestion du budget de l'État. Elle introduit les débats d'orientation budgétaire au Parlement et prépare le pays à la migration au budget programme. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Deuxième dossier abordé dans ces chapitres relatifs à la rentrée scolaire 2021-2022. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a fait état de différents besoins identifiés dans son secteur afin de préparer la rentrée scolaire 2021-2022 dans les meilleures conditions. La pandémie à coronavirus, qui affecte la planète depuis bientôt 2 ans, a conduit au réaménagement du calendrier scolaire 2021-2022. Tenant compte de 220 jours d'enseignement, ces derniers fixent la rentrée scolaire du lundi 4 octobre 2021 et la clôture au mardi 19 juillet 2022. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a annoncé que l'année scolaire 2021-2022 sera placée sous le signe de la rigueur et de l'excellence. À cet effet, certaines actions sont projetées, à savoir la consolidation et la pérennisation de la gratuité d'enseignement primaire dans les écoles publiques, les redressements du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique à travers les mécanismes de lutte contre les anti-valeurs qui minent les systèmes éducatifs. La formation permanente et améliorée des inspecteurs, enseignants et gestionnaires pour le meilleur exercice de leurs fonctions. L'assainissement de l'environnement scolaire en vue de promouvoir la qualité des enseignants. Le gouvernement reste cependant attentif sur ce qui a été convenu avec les bancs syndicales et continue d'y travailler. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Troisième point, sur ce chapitre de dossier portant sur la réorganisation du système d'immatriculation des véhicules. Le ministre des Finances a présenté au Conseil le plan des réorganisations du système d'immatriculation des véhicules à travers les actions suivantes. Le lancement d'un appel d'offres, conformément à la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public. L'implémentation des unités locales de production des plaques d'immatriculation avec l'avantage de réduire la dépendance aux prestataires extérieurs et de créer en interne de nouveaux emplois. L'acquisition d'un logiciel d'immatriculation qui sera intégré notamment au logiciel Sidonia de la Direction générale des douanes et accises pour obtenir automatiquement le numéro de châssis. Aux unités locales de production des places pour synchroniser l'attribution des numéros sur les plaques. La responsabilisation d'un seul acteur pour l'ensemble du processus d'immatriculation des véhicules. La mise en place d'un mécanisme rapide avec la possibilité d'une immatriculation des véhicules dès la frontière avant la traversée du cordon douanier. L'intégration des éléments modernes des sécurisations, notamment le QR code. La réduction du prix de plaques d'immatriculation des véhicules. Les remplacements de toutes les plaques d'immatriculation en cours. L'atteinte de cet objectif permettra au gouvernement
d'engranger des dividendes considérables dans ces secteurs. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Cinquième chapitre de l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce jour. Examen et adoption de projet de texte. Le vice-ministre de la Justice, représentant la ministre d'État, a présenté au Conseil le projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, en vue de permettre à nos forces armées de poursuivre les opérations en cours dans les provinces sous état de siège. Le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux a présenté pour la huitième fois le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Après débat et délibération, ces projets de loi a été adopté pour envoi au Parlement. Deuxième projet de texte soumis au Conseil des ministres de ce jour. L'avant-projet de loi des finances rectificatives 2021 et avant-projet de loi des finances pour l'exercice 2022. Le ministre d'État, ministre du Budget, a soumis à l'approbation du Conseil des ministres l'avant-projet de loi des finances pour l'exercice 2022, ainsi que l'avant-projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2021. Ici est de rappeler que l'avant-projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2021 est justifié par la nécessité de prendre en compte les évolutions intervenues en cours d'exercice budgétaire, notamment l'avènement du nouveau gouvernement investi à l'Assemblée nationale en date du 26 avril 2021, une meilleure situation économique et budgétaire, la conclusion d'un programme des facilités élargies des crédits FEC avec le Fonds monétaire international dans le cadre du programme économique du gouvernement. Le projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2021 contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à hauteur de 16 621,6 milliards de francs congolais, dégageant un taux d'accroissement de 13,7% par rapport au budget initial chiffré à 14 620,5 milliards de francs congolais. En ce qui concerne l'avant-projet des lois des finances pour l'exercice 2022, il contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à hauteur de 20 682,6 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 41,5% par rapport au budget de l'exercice 2021. L'avant-projet de loi des finances et l'exercice 2022 accorde une priorité aux secteurs liés à la sécurité, aux secteurs sociaux, principalement la santé, l'éducation, aux secteurs porteurs de croissance, notamment l'agriculture, les développements ruraux, l'industrie et les infrastructures, au recensement et à l'identification de la population, ainsi qu'à l'organisation des opérations électorales. Plus spécifiquement, il met en exergue les politiques publiques prioritaires ci-après, dans les domaines politiques et sécuritaires, la pacification de la partie est du pays, les recrutements des hommes au sein de l'armée, la mise à la retraite des éléments fin carrière et la couverture des frais d'assurance. Les recrutements dans la police nationale et la mise à la retraite des éléments éligibles. L'identification de la population par l'Office national d'identification de la population et les recensements généraux de la population. La préparation des opérations électorales par la Commission électorale nationale indépendante pour les cycles électoraux 2023. Dans les cadres des échanges autour de deux projets de loi, les ministres d'État, ministres du Budget, a formulé quelques recommandations, notamment les relèvements du niveau de recettes de l'État et l'amélioration de leur prévisibilité, la maîtrise des effectifs des agents de l'État et de la masse salariale. Il a insisté sur le renforcement de l'orthodoxie budgétaire en adoptant quelques mesures, notamment la réduction des trains de vie des institutions par la revue des montants alloués aux institutions et ministères au titre de fonctionnement mensuel en les alignant aux crédits budgétaires votés. La rationalisation de la gestion des investissements publics. Le ministre d'État,
ministre du Budget, a conclu son propos en rappelant que pour la première fois, un projet de loi rectificatif à la hausse sera présenté au Parlement. Ceci dénote de la détermination du président de la République qui a impulsé une volonté politique et des mesures permettant d'accroître les recettes publiques et ainsi améliorer la taille de notre budget. Après débat et délibération, ces deux projets de loi ont été adoptés. Dernier projet de loi soumis au Conseil des ministres de ce jour. Projet de loi portant reddition de compte de la loi des finances, numéro 19/005, du 31 décembre 2019 pour l'exercice 2020. Le ministre des Finances a présenté au Conseil le projet de loi portant reddition de compte, dont la synthèse se présente comme suit. La loi des finances rectificatives numéro 20/019 du 24 décembre 2020 pour l'exercice 2020, modifiant la loi des finances numéro 19/005 du 31 décembre 2019 pour l'exercice 2020, à laquelle se rapporte le dit projet de loi, a été voté en équilibre tant en recettes qu'en dépenses à la hauteur de 10 579,1 milliards de francs congolais et a accusé ainsi un taux de régression de 43% par rapport au budget initial chiffré à 18 545,2 milliards de francs congolais. À la clôture de l'exercice budgétaire 2020, les recettes du budget du pouvoir central ont été réalisées à la hauteur de 10 299,38 milliards de francs congolais. Budget général, 9 413,56 milliards de francs congolais, budget annexe, 248,35 milliards de francs congolais et comptes spéciaux, 637,47 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 97,36%. Quant aux dépenses, elles ont été exécutées à concurrence de 11 334,19 milliards de francs congolais. En termes de résultats, les budgets généraux accusent un solde déficitaire de 1142,5 milliards de francs congolais au 31 décembre 2020, alors que le budget annexe et les comptes spéciaux dégagent chacun un solde excédentaire à la clôture respectivement de l'ordre de 14,46 milliards de francs congolais et de 93,31 milliards de francs congolais. Il en résulte un solde cumulé déficitaire du budget du pouvoir central d'un import de 1034,80 milliards de francs congolais. Ainsi, le déficit du budget général sera inscrit au compte consolidé destiné à l'enregistrement de soldes positifs ou négatifs obtenus au cours des différentes gestions budgétaires. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. Commencé à 11h25, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ressemble à un grand chantier à ciel ouvert.